Cora, je fais de la pop électro, je suis chanteuse-compositrice nantaise. Je fais un mix en fait avec des synthés qui sont plus 80s et 90s, avec des drums plutôt actuels. Je m'éclate avec toutes sortes de sons, pas mal de choses un peu Nintendo aussi, j'aime beaucoup. C'est si beau, je travaille tout le temps, je m'enferme à double tour et je travaille sur Logic et Ableton toute la journée. J'utilise ma Focusrite pour enregistrer le son et après ce sont des instruments MIDI donc j'ai pas besoin de grand chose pour travailler. Là mon prochain EP est tout en français, je parle beaucoup de dualité, donc tout ce qui est nuit, jour ou tristesse et joie. Généralement, je vais créer des sons hyper joyeux et je vais mettre des paroles un peu plus dark. J'ai envie de faire danser les gens, j'ai plus envie de les rendre tristes. Avant, j'étais dans un groupe de metal, post-rock. C'est vrai que c'était assez chialant, donc ça prenait beaucoup aux tripes, mais c'est plus ce que j'ai envie de faire maintenant. Je peux vraiment balancer des paillettes et des confettis sur les gens et passer un super moment, quoi. Donc, je mets toujours mes tripes dans mes morceaux, mais par contre, tout ce qui est production derrière, ça va être vraiment joyeux, quoi. Dans le studio, j'utilise la 2i2, c'est amplement suffisant pour moi. Et sur scène, ma 18i20. Je sépare mes drums, je sépare mes pads, je sépare mes synthés, mes back vocals et mes pads, donc il me faut pas mal de sorties. J'utilise Focusrite pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'elle est hyper robuste, en fait, je peux l'emmener partout sans qu'il y ait le moindre problème. La 2i2, elle dure beaucoup dans le temps, enfin, ça fait des années que je l'ai et il n'y a aucun souci. Et puis on la remarque de loin parce qu'elle est rouge, quoi, contrairement aux autres. Et puis son prix qui est aussi attractif, ça reste de la super bonne qualité. C'est pas du premier prix, mais c'est de la super bonne qualité et on peut en faire plein de choses, quoi. Tes fleurs.